C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez souhaité partager ensemble avec moi l'une des questions importantes de la vie de l'homme sur Terre, le leadership et la bonne gouvernance. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette séance de formation animée par le professeur Matata Ponyo, parce que j'appartiens à la génération de ceux qui ont eu un rêve. C'était le rêve de voir ce pays entre les mains de deux grandes personnalités. Le président Félix Antoine Tshisekedi et le premier ministre Matata Ponyo. J'ai rêvé que ces deux-là pouvaient tous ensemble unir leurs intelligences et leur dynamisme pour pouvoir montrer à la jeunesse actuelle quel est le chemin qu'il faut suivre pour faire de ce pays ce qui doit être au cœur de notre continent. Mon rêve n'a pas pu se réaliser, mais cela ne signifie pas qu'il ne se réalisera jamais. Parce que je sais que beaucoup de jeunes ont aussi eu ce rêve et l'ont encore. Et j'ai entendu parmi vous ceux qui m'ont dit, quand eux ont entendu que le premier ministre honoraire Matata Ponyo quittait le FCC pour pouvoir se lancer sur un nouveau chemin, et je me disais, ce nouveau chemin, c'est sans doute l'union sacrée de la jeunesse. Et c'est parce que je crois à cette union sacrée de la jeunesse que je suis venu lui dire qu'il est dans la ville d'où le soleil se lève pour éclairer la République démocratique du Congo tout entière. Et qu'il est avec des jeunes qui, malgré tout ce qu'on dit de notre ville, de notre province, de notre région, que l'on présente comme la région où les jeunes sont tous engagés d'une manière ou d'une autre dans les groupes armés, qu'il y a des jeunes qui sont engagés dans le développement de l'intelligence, dans le développement de la paix, dans le développement de la prospérité et dans le développement de ce que le Congo doit être dans l'Afrique d'aujourd'hui. Et c'est à cette jeunesse-là qu'il est venu parler. Il a dirigé le gouvernement de ce pays pendant longtemps et il sait ce que nous parlons. Et qu'il ait décidé de nous parler du leadership des qualités et de la bonne gouvernance, c'est qu'il sait qu'il a choisi la ville d'où tout cela doit partir. Parce que d'ici sont partis les groupes de la destruction du pays, aujourd'hui partiront les groupes de la renaissance et de la reconstruction de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous sommes convaincus de cela que nous l'accueillons aujourd'hui. Et c'est parce que nous sommes convaincus de cela que nous tenons à lui dire que désormais, sa trajectoire politique est dans tous nos rêves et qu'il ne l'oublie jamais. Parce que son avenir
est encore devant nous et que nous sommes avec lui pour la construction du Congo qu'il a dans son rêve aussi et du Congo qu'il va aider les Congolais à construire. Parce que si Dieu lui a donné tous les talents qu'il a, et surtout s'il lui a donné l'intelligence de pouvoir investir dans la jeunesse avec l'université Bapon, qui aujourd'hui représente l'une des meilleures du pays, c'est parce qu'il a un destin national qui est un grand destin. Nous y croyons et c'est pour cela que nous lui donnons la parole devant vous. Je vous remercie.